Allez. Stop! Bon bref, ça fait deux fois que je me fais poutrer la gueule juste pour faire un putain de cadrage. Ça devrait être bon cette fois! Ah, parce que oui, pour faire un cadrage, je suis obligé de laisser le combat tourner et de me faire poutrer la gueule, sinon je ne peux pas cadrer. C'est pas possible. Ah, sinon donc, salut à tous et à toutes, c'est moi chez 511, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ouais, pour l'épisode 6 de Mortal Kombat! Donc. Alors. Donc, que je me remette dans la peau. Donc, dans l'ancien épisode, qu'est ce qui s'est passé? Donc, dans l'ancien épisode, on avait joué Jade et Kitana. Donc, Kitana, je voulais savoir la vérité avec Shao Kahn. Enfin, voilà. On a appris que Kitana n'était pas vraiment la fille de Shao Kahn, que Shao Kahn avait tué son vrai père, et c'est Sindel qui avait dit à Shao Kahn, oh, laisse-la se trouver sa valeur et tout ça. C'est pour ça qu'elle était restée en vie. Donc ils l'ont arrêté pour pouvoir l'exécuter. Une fois qu'il s'est passé ça, Jade a voulu sauver Kitana. Et je suis mort, mais sérieux, pour le vie qui lui reste, quoi. Oh, sérieux. Ah, attendez. Non, attendez. Qu'est-ce que c'est? Attends, mon téléphone a vibré. Un appel? Non, c'est pas un appel. Attendez, 2 secondes. Oui, ça se fait pas, mais bon, ça va être rapide. Ok, pas important. Super, merci de me déranger. Merci les gars. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui. Donc. Ah, sérieux. Donc. Après ça, Jade, elle s'est libérée. Kitana. Et quand on l'a retrouvé, Kitana a dit à Jade d'aller chercher Raiden. C'est ce qu'on a fait. Et donc là, Kung Lao et Liu Kang sont partis sauver Kitana pendant que les autres continuent le tournoi. Et Noobs commence à me les briser. Les gars, avec cette attaque, sérieux. Oh le cadre! C'était quoi ce. Il y a eu un bout. Oh, il est chiant à faire ça! Ah, arrête! Ah mais putain, je m'en doutais, c'est ça le pire. Ah, va te faire quoi. Oh, il va te faire, sérieux, il me casse les burnes avec sa téléportation. Oh là là. Non mais ce mec, il abuse de la téléportation, c'est juste une horreur quoi. Allez là! Vous voyez, à chaque fois il fait sa téléportation de merde! Oh, ce perso il est d'un chien! Restons zen! Mais putain! Voilà, par ça il abuse pas de la téléportation, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Ok. Et merde. Je suis prudent parce que ce fumier il a son X-ray là. Ah, va te faire.
Oh là là, arrête avec ça! Il meurt, putain! Oh! Chez lui! Remercie-moi de ne pas avoir répandu ton sang pourri. Qui es-tu? Tu me dis quelque chose. Tu me dis quelque chose. Tu as besoin d'aide? Quatre bras contre deux, ce n'est pas très juste. Tu as eu droit à un combat contre Yukon. Maintenant, affronte-moi. Quoi? Pourquoi il y a Goro? Alors, je trouve une petite technique pour Goro, même pour Shao Kahn, qui marche très bien. J'ai découvert ça pendant l'ascension. Alors, par contre, là, vu que c'est dans le mode aventure et que les personnages sont beaucoup plus fourbes, je ne sais pas si ça va marcher. Alors, en fait, c'est ça. Ça marche très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bam! Round 2, fight. Bah, y'a pas de fight. Oh, fumier, comment il sait? C'est mort, attends. Mais regardez combien de points de vie il m'a enlevé, ce fumier, là. Aou! What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ça marche plutôt bien. Sauf quand il se protège et quand mon perso veut bien sauter, saute! Oh putain! Oh! Ça marche bien cette technique. J'ai l'impression qu'il parle pas fort, hein, mais bon. Johnny Cage, là, qu'est-ce qui t'arrive? Ouch. Je ne suis pas celui qui doit gagner. Parlez plus fort. Propose un champion à la hauteur. C'est peut-être toi qui es destiné à gagner. Qui c'est qu'on va affronter là? Et Quan Chi. Voilà. Youpi. Encore un combat illégal. On est d'accord sur ce point. Non mais c'est quoi ce combat illégal quoi? Merde. Galérer encore. Le public il balance des morceaux de chair. Ah, arrête avec tes.
j'aurais cru qu'il se téléporterait encore. Il l'a fait, mais après. Aouh. Mais sérieux, les gars. Oh là là. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a Kitana enchaîné juste là, au même endroit. Donc ça, c'est bien, c'est pas un faux raccord. Mais il n'y a pas Liu Kang. Oh, je t'ai protégé, là. Ah, mais... Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est lui, il se ramène avec sa téléportation. Et vu que je ne suis pas voyant et que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont changer de partenaire, je ne le vois pas. What? Non, protège-toi. Ou pas. Allez, c'est moi qui l'ai mis. Fumier. Ok. Il y a plus de fight ou quoi? Mon jeu ne sait plus dire fight. Ah mais fumier. J'appuie sur paré mais bon c'est pas grave. Mais tu me gaves! Mais putain! Oh, doux! Ouais, j'ai perdu là, vous avez vu ce qu'il me reste? Ouais, oh, doux! J'ai avec le chapeau qui nous a fait un petit coucou au premier plan. Voilà. Ah purée. Ok, qu'est-ce qui lui est arrivé à Quan Chi? Il a eu un bug de la tête, là il a regardé derrière lui. Oh putain. Tiens, dans ta gueule. Fumier. Mais putain. Mais allez là, putain. Mais oh. Même Shamsung est moins chiant à côté. Mais ah. Oh, d'où là, il était pas protégé. Il me saoule avec sa téléportation. Viens là! Ah non, 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 je refuse! Yes! Je refusais de perdre là, franchement! Mais il n'y a plus de fight! Mon jeu ne sait plus dire fight! J'enchaîne bien là. Il fallait s'en douter que dès que l'autre allait se ramener, ça allait devenir plus chiant. Tiens, boum! Dans ta gueule! Ah, mais genre. 3! Alors, monsieur, j'abuse de la téléportation. Oh, à 12 là, j'avais chopé là. Mmh.
Mais il me gave, lui, putain, se ramener, là. Téléportation de merde, là. Je vais perdre, je vais perdre. Je parle pas beaucoup, hein, je remarque. Oh, putain. Chaud. Oh, putain, j'étais concentré. Oui, je sais qui c'est qui va se ramener, hein. Voilà. Kitaro. Super. Je vais manger ton cœur. On dirait qu'il a eu du mal à sortir cette phrase, c'est genre je sais pas parler. Mais d'où? Alors, avec Kitaro ça marche aussi, faut juste réussir à s'approcher. Ce monsieur veut bien me laisser jouer. Mais d'où, putain, il est censé à sauter à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Elle, il me casse déjà les pieds. Mais putain! Je fais nappe. Je fais nappe. Attention, j'ai perdu, là. Oh, putain, mais... Oh, là, ça marche aussi, la technique... Mais il faut juste bien la placer, quoi. Ouais, bon, là, j'avoue, je me le prends. Je l'enlève tellement rien avec moi, il serait sérieux. Bien évidemment, lui, s'il me le place, il va tout m'enlever. Non, mais oh! Mais il est sérieux, le mec! Il me fout trois coups! Là, voilà! C'est compliqué, bordel! Oh shit! What? Tout ce qu'il m'a enlevé! Oh non! Oh mais Dieu! Non, mais il avait plus de vie! Mais regardez ce qu'il lui restait, quoi! Sérieux! Il ne restait rien! C'était une très mauvaise idée! Et il me saoule à me choper en l'air en plus! Merde! What? Pourquoi je me le suis pas pris? Bon, tant mieux. Je vais pas me plaindre. Mais arrête de faire ce truc! Ah non! Raté! Allez, boum! S'il me l'avait mis, là, je serais mort. Voilà, vous voyez, cette technique marche très bien. Utilisez-la! C'est franchement très utile. Et si vous pouvez l'enchaîner, vous l'enchaînez. Mais pas trop. Ah, j'aurais peut-être dû faire mon X-ray. Vu qu'il était totalement dans les vagues. Voilà, bon, je l'ai placé. Bam! Je vais regarder un peu combien... Attends, je vais regarder combien de temps ça fait. 18 minutes, bon, ça va. Non! Oups. J'aurais pu faire un Flawless Victory si j'avais bien joué. Boum! Prends-toi ça! Hop là! Boum! Ah non! Lâche-moi! Et voilà, chose faite! Dans ta tronche! T'as vu, je me dis que t'es où? Ah, Shao Kahn a tué Kung Lao. Petit imbécile, sais-tu qui je suis? L'assassin de mon ami. Je suis Shao Kahn, conquérant du monde. Tu ne goûteras pas à la victoire. Tu ne goûteras que ton propre sang. Oh! Bon, alors, la technique marche aussi avec Shao Kahn. Hein.
Pensez surtout avec Shao Kahn. Faut juste bien commencer à la placer. Si monsieur veut bien me la laisser placer. Voilà. Alors là, on joue Liu Kang comme ça, gratos. Tu sais même pas pourquoi. Mais bon. Ah, mais j'y arrive pas. Dans l'ascension, c'était plus facile à placer. Je m'attendais pas à faire ça. Alors, si j'étais avec Kitana, là, j'aurais réussi à l'enchaîner. Mais là, avec Liu Kang, je sais pas l'enchaîner. Non ! Oh non, il m'avait pas eu ! Mais ta gueule, mais... Oh ! Alors, ce qui est chiant avec Shao Kahn, c'est qu'il n'arrête pas de te foncer dessus, c'est juste horrible. Comment il s'active déjà son... Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Voilà, c'était bien comme ça. Regardez les dégâts que je lui fais. Voilà, ça, c'était les dégâts de mon X-Ray. Je lui ai rien fait. Le X-Ray ne sert totalement à rien. Comment il m'a raté, là? Là, c'est une question, comment il a fait pour me rater? Mais ah! Tiens, c'est toi qui t'es mis derrière. Ah, il me saoule avec son marteau là! Mais arrête! Mais arrête! Mais il est chiant avec ses attaques à la con là! Oh! J'arrivais mieux à l'enchaîner dans l'ascension. Hein. Oh, cette attaque, qu'est-ce qu'elle est chiante. Mais allez! Mais même avec le personnage que je déteste le plus, j'arriverai mieux! Mais putain! Mais arrête! Il me casse les pieds, ce mec! Ah, mais. Va te faire! Mais putain, mais c'est pas vrai. Liu Kang, c'est pas vraiment celui qui est... C'est pas vraiment le bon perso. Hein. Alors, bien évidemment, avec son marteau qui met 20 ans à avancer, c'est horrible. Son marteau, il avance à une lenteur. Mais allez, là, mais c'est quoi ce surhumain? Mais laisse-moi jouer un peu. Mais allez. Circulaire, la con là. Je voulais lui faire un uppercut, pourquoi tu l'as frappé? Mais allez, debout! Oh là 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 là, mais. Oh! Oh, ce mec est horrible! Mais mon jeu ne sait plus dire fight! Oh, merde. Va te faire foutre. C'est clair, ça? Oh, putain! J'ai flippé, là. Parce que s'il met le X-Ray, c'est la mort assurée. Ah mais allez! Mais allez, Liu Kang! Mais allez, mais d'où là? Putain! Non. Mais arrête avec ton... Mais il me saoule avec cette attaque là! Putain! Comment ça me l'est brisé ce mec? Mais sérieux, tu te fais chier à lui enlever 3 tonnes de vie, et lui, en quelques coups, il te one-shot, quoi. Merde. Et voilà, mais on peut pas l'enchaîner avec Liu Kang, là. Mais d'où il me touche? Je suis derrière lui. Thank you.
Oh là là, je hais ce personnage. Mais allez, putain! Liu Kang, mais franchement, c'est pas mon perso, hein. Allez, là, il est mort. Waouh, je gagne pour une fois. Ça gratte. Voilà, ça, c'est ce qui s'appelle enchaîner. Pour bien l'enchaîner, faut qu'il termine, faut qu'il finisse par terre. Pour être sûr de pas se faire toucher. Attends, ça me gratte, c'est horrible. Oh, allez. Ok, c'était bien. Ah, j'aime bien quand je le frappe pendant qu'il fait l'attaque. Il va bien te faire. Voilà, hop, un petit percute. Mais genre, je saute et il fait cette attaque, quoi. Oh là là, Liu Kang, mais que t'es nul, mais que t'es nul, mais que t'es nul. Ouais, je refusais de perdre là. Oh putain. J'aurais dû lui mettre dans la tête. Ou dans le cœur. Ça aurait été mieux. Je ne peux pas y croire. Le royaume Terre a gagné. Puis quand tu souris derrière, tu sais, genre balistec. Kitana a changé de tenue. Mais le prix de la victoire a été presque trop fort. Je suis coupable de la mort de Kung Lao. Je l'ai encouragé. Notre triomphe n'aurait pas dû se produire ici. Putain de merde. Maintenant je sais. Doit gagner sur les terres à toi. Mais pour éviter l'apocalypse, tu devais vaincre Shao Kahn. Ce n'est pas possible. Shao Kahn est mort. Mais l'avenir reste inchangé. C'est quand? Elle a réalisé que les garanties accordées par les dieux anciens à travers le mortal combat ne sont qu'une fantaisie.
Je m'épuise les incantations nécessaires à sa résurrection. Son sortilège sera rendu caduc, et avec lui, la barrière t'empêche d'entrer dans le royaume. Je vais te la rendre, bien sûr. Plus obligeante. C'est une offre très charitable. Je ne veux que te servir en contreur. Les sorciers me fatiguent. Confie pour moi de quoi tu es capable. Ramène-la moi. Je parle parce qu'il y a trop de bruit. Ouais, mais Abby, là. L'invasion du royaume d'air peut commencer. L'invasion, oh mon dieu! Ça s'entend, je pense. Chapitre 12, Striker. Pas viser les gars! Ça suffit! C'est toi ou moi, gros monstre! Round 1. Un striker, bof! Il y a un coup que je connais super bien pour Striker. C'est celui-là. C'est le fly. Ce coup, il est tellement fort. Tu peux faire ton petit joueur avec. Oh là. Bon, viens là. Si on a le bon timing, on peut vraiment enchaîner les nids comme ça avec les flags. Avec le flag. Ce serait bien s'il avait deux flags, ça serait plus classe. Bon, j'avais mon X-ray, vas-y. Boom. Mais viens là, arrête de fuir. Il me gave là. Alors, il y a des dragons aussi, me demandez pas comment. Ok, j'avais appuyé sur me protéger, mais. Tu veux être au loin? Bah, reste au loin, tiens. Je peux me faire comme ça, hein. Voilà, sauf que là, je me suis foiré. Oh, lui aussi! Il est joli. C'est faire son petit joueur faire ça comme ça en fait, là. C'est vrai, mais. Quand le combat est trop saoulant, c'est une bonne solution. Et quand l'ennemi n'arrête pas de fuir comme une tapette, là. Ok, viens là. Viens là, viens là. Viens là. Et viens, mais pas trop près. Et il me gave. Et va te faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il me gave à fuir, là. Voilà. Bon, j'ai gâché mon extra, mais bon. Tu craches? Tu tires la langue? Ta maman doit être fière de toi. Bah ouais.
Ma mère est fière. Parce qu'elle est comme moi. Allez, on descend dans la rue. Ça devient chaud ici. Ce n'est pas sûr. Mieux qu'ici, en tout cas. Mais parlez plus fort, j'en ai marre des personnes qui chuchotent. Imaginez si on chuchotait tous. Bonjour. Comment allez-vous? Ennemi. Je commence à habiller. Voilà. Habillé comme ça, ennemi, sûr. Cherche pas. Bonjour. Vous pouvez vous aider? Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche un camarade de jeu. Ok. Là, il a vu sa gueule, il a fait ah non, ennemi. Mais arrête! Fais pas comme Kano, arrête de faire la boule. Allez, debout! Mais Striker, il est lent ou c'est moi? Ou c'est Milena qui est trop chiante? Ça, elle me l'a jamais fait. Bonjour, l'hélico qui se crache. Oh, la saleté. J'allais lui tirer dessus pour la finir, mais cette fourme, elle s'est téléportée, quoi. Arrête. Mais reviens là. Mais arrête. Mais ces personnages qui abusent de la téléportation, ça me gave! Les mecs, en fait, ça repasse bad, donc ils se téléportent, c'est tout. Oh là là, mais oh là là, mais... J'aime bien son fly. Oh là là, mais arrête de faire la moule! Voilà. Tu as fini de loin. Et pourquoi est-ce que je n'entends plus le fight? Mais arrête de me bouffer, salope! Prends-toi ça. Ah mais... C'est drôle, hein. Oh, c'est quoi ce combat de merde? Mais... Ah, elle m'énerve! Je m'en doutais. Mais allez là, deux fois quoi. Allez là, il reste combien? Voilà. Combien il reste? Toi, tu viens avec moi. Je crois qu'il en reste deux. Parce que là, ça va faire 40 minutes. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous allez bien? Johnny Cage en train de battre un monstre géant? C'est quoi ça? Crasseur du temps? Johnny Cage. Ce type vient de lancer un éclair avec les mains. Comment il a fait ça? Aucune idée. Dispersion. Il faut diviser les cibles. Voilà. T'as pas vu ta gueule, mec?
Bon, allez, là, d'où il m'a eu? Wouah! Il me chope le pied, je suis sûr, en plus. Il fait plus mal, ça se fait pas. Mais arrête de faire cette attaque de merde, là! La même technique, hein, on n'oublie pas. Donc ça, je me souvenais qu'on affrontait Kitaro. Oui, parce que Kitaro aime bien se faire botter le cul. Le mec! Aouh! J'ai cru que j'allais me le prendre, celui-là, je vous avoue. Hop, allez. Là. Oh, il m'a raté. Ah, là, il m'a eu. Raté. Boum. Dans ta gueule. Aïe. Ouais, ça pète. Vas-y. Pète là. Pète là, toi. Non. Pète. J'arrive pas à dire. Aouh. Tiens. Coup de poing dans ta tronche. Ah, ce dernier coup. J'ignorais que je savais faire ça. Quoi, te battre? QG, règle 2. Évacuation médicale requise ici même. Cabal est blessé. Brûlure au 3ème degré. C'est quoi ça? Oh. Un mec. Ouch. Je crois que contre Air Max, c'est le dernier combat. Air Max a changé de style. Un peu plus classe comme ça, je vous avoue. L'empereur aura un tournoi. Ah ouais? Viens la chercher. Round 1. Bah, c'est un peu le style qu'il a, Ermac, dans Mortal Kombat 10. Non? Ah, c'est pas Kitaro ou un autre perso. Donc là, la technique ne marche pas. Tu vas pas commencer. Tu vas pas commencer avec ta téléportation, mec. Oh là là, je me fais déglinguer. Mais c'est... Attends, mais c'est moi, il est plus rapide qu'avant. Mais arrêtez avec les téléportations, les gars. Comment tu te gagnes et tu t'y restes, quoi. Oh là là. Mais au moment où je tire, il se téléporte, ce fumier, là. C'est un complot. Mais je t'ai jamais demandé de tirer, mec. Oh là 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 là, mais... On fait déglinguer la gueule. Mais laisse-moi jouer. Mais laisse-moi jouer. Mais laisse-moi toucher le sol un peu, là. Voilà. Oh, mais pourquoi il fait ce que je veux faire? Wow! Arrête de te téléporter! Et allez, mais putain, mais. Mais me dites pas que l'ennemi ne surabuse pas de la téléportation, ne me dites pas ça, parce que c'est franchement vous mentez à tout le monde là. Mais allez! Mais c'est un truc de malade! Mais laisse-moi jouer! Vous avez vu, si j'abuse du pistolet, ça marche! J'avais mon X-ray et monsieur fait une interruption. Et me dites pas qu'après, faut pas abuser de ça. Fight. C'est pas compliqué à dire.
Il l'a dit tout le temps avant. Mais arrête de faire ça! Ah, ça a pas marché là. Approche tes U. J'ai enfin réussi à placer son X-ray là, au gars là. Oh là, il est mort quoi. Non! Oh yes, putain! J'aurais pas voulu là. Tu crois que je vais garder mon âme? Je t'ai cherché partout, Captain Stryker. Eh bien, tu m'as trouvé! Qui es-tu? Je suis Nightwolf. Lord Raiden rassemble les défenseurs de la Terre. Tu en fais partie. C'est quoi ce charabia? La Terre contre les envahisseurs du monde extérieur. Il est notre seule chance de survie. Ouais, bon, je suis à au moins 10 échelons du poste de défenseur de la Terre. Je vois que tu doutes de toi-même malgré tes victoires. Parle plus fort, merde, j'en ai marre, mais parlez plus fort. Oh, il est plus là. Où est-il? L'équipe des vagues n'est pas venue. Il est peut-être allé chercher Plaine. Non, il était trop amoché. Quelqu'un l'a emmené. Et moi je sais qui. Et on va le savoir tout de suite. Délicieux. Chapitre 13, Cabal. Il le connaît. En feu. Grillé comme une saucisse, ouais. Heureusement que je t'ai trouvé. Je suis vide. La magie de Shang Tsung a guéri ton corps. Mais tes poumons. Horrible. Impossible, inamovible. Quoi? Tu ne pourrais pas respirer. Je suis un monstre. Non, je ne me sers plus de ces trucs. Ouais, t'es devenu un vrai flic réglo. Le dragon noir n'est plus le même sans toi, mec. Tu devrais revenir. Il y a du pognon à se faire dans cette guerre. Vous avez vendu des armes à ces monstres. Tu l'as dit, bouffé. Tout est de ta faute. Qu'est-ce que tu prends, hein? C'est bien ici, non? Je devrais être mort. Et c'est toi qui vas mourir. Eh ben non! Parce que, même si on le bat, tu ne vas pas le tuer. Bon, voilà moi. C'était bien d'être un poil plus long, parce que s'il n'y avait pas eu le combat contre Liu Kang et Shao Kahn, ça aurait été beaucoup plus rapide, je pense. Bref, voilà, donc... Pardon. J'espère que cet épisode vous a plu, laissez des j'aime par les commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et là, après, on va jouer Cabal, un personnage que ça va, c'est... Je le maîtrise. Bof, bof. Voilà, voilà. Allez. Ah, donc. Ah, j'ai mal partout. Ça va faire 50 minutes. Voilà, ça fait 50 minutes. Donc, je vous dis à la prochaine pour la suite de Mortal Kombat. Allez, salut. Ouais, c'est rapide comme fin. Et alors, ça vous pose un blême ?